Bonjour à tous, ici Lasbrook, je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de mon petit coquinou. Bonjour Lasbrook, moi aussi très heureux et je pense que tu vas être très fier de nous commenter ce replay aujourd'hui. Exactement, parce que voilà, partie du ladder en 1v1 contre un petit joueur Zerg, Méo, qui m'a reconnu. Oh oui. Miu 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 miu. Et oui, un de nos grands fans de notre chaîne YouTube. Ouais. Et voilà, et du coup... On tenait à vous présenter cette petite vidéo. J'aime bien ton petit putain. Tu oui, montres ta assis surprise. J'étais assis sur le lit de savoir que quelqu'un m'avait me connaissait. Voilà. Bref. Et du regarde. Coup, du coup, il se sent obligé de cheeser. Voilà. Là, je me dis, c'est juste énorme. C'est juste énorme et c'est bon signe pour toi puisque un petit coup là. Exactement. Et du coup, je vois que tu scoutes très rapidement puisque. Oui. Petit coup de pression, surtout que je joue random et que je tombe proto, c'est que j'ai bien évidemment horreur de cette race. Bon. Bien sûr, c'est le principe du random, je crois. Voilà. Et ben ouais, en plus à ce moment-là, tu peux te dire peut-être qu'il veut teaser, mais peut-être que c'est un bluff en fait. Voilà, peut-être qu'il marche en macro et que non, non. donc, nous allons vous présenter avec grand bonheur cette game. Oui. Et alors quel était ton état d'esprit à ce moment-là? Tu t'es dit est-ce que je vais cheeser pour être fidèle à la réputation d'Edil Varan? Ah là c'est sûr, là on ne peut se dire que ça. Hein. Y a pas à hésiter, il faut cheeser. Notre ouais. Réputation est en jeu. Tout à fait. Et du coup en tant que Protoss, bah un cheese un peu original, c'est assez dur. Ouais. Surtout que ma connaissance de cette race n'est donc pas exceptionnelle. Tout à fait. Exceptionnel. Exceptionnel. Donc, du coup, j'ai envie de me murer pour essayer de réfléchir un peu plus longtemps. Et voilà. Ouais, donc ça balances, y est. Donc nous scoutons mutuellement. Petite forge de ta part avec le cyber. Voilà. Donc voilà, tu vois sa sonde qui repart, donc pas de problème. Et quant à lui, on dirait qu'il pose sa poule, un send build très classique. Ouais. Poule et gaz. Donc pour l'instant, pas de cheese des deux côtés. Nous allons voir ce qu'il en est. Peut-être peux-tu nous préciser le niveau de cette game? Alors le niveau, donc Meo est un joueur de la Ligue Bronze qui est classé dans le top 8. Voilà. Top et pour la me Ligue situer Bronze. Moi-même, bon, oui, je suis en argent. Voilà. Ah bravo Nasbrook. Tu as réussi à te sortir de la Ligue de Bronze alors que... Alors que voilà, le cheese arrive. Hein. Alors Mew qui... C'est un peu bizarre qui expande de gold, une expande un peu cachée là. Ouais, mais c'est plutôt du proxy hatch en fait. Plus ouais. Que, proxy hatch. Plus que pour la gold. Et C'est con, je voulais sérieux, jouer sérieux à la base. Voilà, donc là il se voilà. Sent vraiment obligé de faire proxy. Et c'est ça qui est intéressant dans cette partie. Donc là, j'essaye de moi-même le pousser à jouer un peu Macron pour c'est aussi, hein, forcément. C'est bien, mon petit Nasbrook. Bon état d'esprit. Voilà, et là, il y a une orque, hein. Je me sens investi d'une mission. Voilà, donc la réputation des nuls marrants. C'est alors bon, ça. Que, donc du coup, on a du coup quelques arguments en production qui ouais. Viennent essayer de défendre cette proxy hatch. Mais c'est pas si bête ce qu'il... Je sais pas encore ce qu'il va faire puisque je n'ai pas vu cette game. Mais à coup de aiguillon rampant avec un observer pour donner la vision, ça peut être quelque chose qui peut faire bobo. Exactement. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais la petite sonde fauve qui est cachée chez lui. Hein. Oui, je l'ai vu au début. Voilà. Et j'attends un proxy pilote, d'ailleurs, il l'a pas scouté. Et d'ailleurs ouais, il a quand même placé un petit overlord chez toi aussi pour ouais, voir un peu donc là, ce que tu fais. Si on se met dans sa vision, je crois que ouais voilà. donc là il voit ton gaz en plus. Exactement. Et toi tu n'as pas scouté par contre tu n'as pas pensé au scout des 6 minutes mon petit Nasbrook. Et non. Et oh là là, il balance masse aiguillon rampant là donc 3 aiguillons. Ouais. Et il fait une queen en plus. Donc ça va faire progresser le mucus sûrement. Je crois ouais. Que je crois que ça va être ça. Donc ouais. Alors que du coup. Bonne idée. Oula. Le conseil crépusculaire. Ou le conseil crépusculaire. Alors je ne pense pas qu'il va le voir avec son overlord. Non, il le voit pas. Là, il est un peu trop loin quand même. Donc après, c'est. C'est pas super overlord quand même. Et par contre, il t'a fumé ta sonde. Ah oui. En bas. Exact. avec ses petits airlings. Et donc une petite queen qui va faire avancer le mucus tranquillement ouais. Vers ta base.
Donc là, je sais pas si je vais scouter à quel moment, mais si on se met dans ma vision, je sais pas si je sais qui. Ah non, j'ai même pas scouté ça. Je sais même pas qui était deux en fait. Tu ne sais même pas s'il a une poule, mon petit Nesbrook. Ouais, exactement. La donc, puissance. Ultra efficace. Voilà. La puissance du scout. Bon, t'as quand même mis des petits aiguillons. Ouais. Et là, il commence à avoir un bon gros masse aiguillon. Là, je commence quand même à être inquiet. Oh là là! Alors que tu as planqué un petit bâtiment en bas, le bat à Dark Templar. À Dark Templar. Oui. Il fallait donc, que je joue un peu original, quoi. Hein, un peu fourbe, voilà. J'ai envie de dire. Et alors là, que les aiguillons commencent à progresser. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, tu vas pas tarder, je pense, à les voir. Mais je suis un peu inquiet pour notre ami Mew, puisqu'il n'a pas de et non, de moyen de détecter. Bien. Donc là, les Zerglings qui vont commencer à aller scouter, voir ce qui se passe. Et ça y est, la surprise de Nesbrook. Et un très bon wall, hein, quand même. Je tiens à préciser, mon petit Nesbrook, félicitations. Non, mais là, je crois que j'ai scouté, en fait... Ouais, c'est ça, je scoute son aiguillon rampant. C'est pour ça que je lui ai mis LOL. Ah, ouais. Là, je comprends qu'il y a du gros cheese, là. Ouais, et d'ailleurs, t'as bien niqué une petite tumeur, là, avec... Voilà. Et ça y est, les Dark Templars qui sont warpés. Alors attention, attention, tu vas passer à l'attaque on dirait, et les Dark Templars qui vont choisir d'aller directement dans la B1, j'ai l'impression la B1 qui n'est pas du tout défendue. Non, il y a encore T1 en plus, donc... Ouais, donc là, pas du grosse surprise, et Mew qui se sent à l'abri, hein, tu veux pas expand. C'est bon, il peut pas expand, je le harcèle et non. Il commence à vanner un petit peu, j'ai même l'impression, hein. Et là, ça va être la merde. Attention, les petits Zerglings qui... Ouais, parce que je me suis fait scouter. Je crois que j'en ai chopé deux ou trois au passage sur les renforts. Ouais. Et voilà, du coup... Les Dark Templars qui font une petite pause. Oh là là, et ça y est. Là, je crois qu'il l'a vu. Là, il se dit merde. Là, il se dit je suis dans la bouise. Et d'ailleurs, ouais. T'as, en plus, t'as deux Dark Templars chez toi. Donc là, ça va être... tu vas être assez safe de ce côté-là. On va voir, en tout cas, les Dark Templars qui arrivent dans la B1. Il pose en plus du coup une chambre d'évolution sur sa gold. Ah ouais, ça va être un peu tard. En tout cas, la queen qui tombe en bas, les sons qui commencent à se faire ou ramasser par les Dark Templars. Une bonne stratégie fourbe de Nesbrook. Donc là, je me dis c'est bon, je suis content. Ma réputation n'est pas tachée. Tout à fait. Et donc là, c'est la poule qui va tomber. Donc notre ami Mew qui va être obligé de recréer une poule. Et sa B1 qui va tomber dans pas longtemps également. Tout à fait. La puissance du Dark Templar. Ouais, et les Dark Templars qui passent à l'attaque aussi sur les aiguillons. Il a pas eu le temps, ça y est, il lance un sporulaire, mais ça va être un peu tard. Eh oui, donc là, c'est le double front, il ne sait plus quoi faire. Pour de la tête, les Zerglings commencent à danser. Regarde, c'est magnifique. Oh là là, magnifique. Everybody dance now. Et ouais, c'est pas mal ce qu'il fait là. Je crois qu'il faut taper dance, non, pour ouais, je crois aussi, ouais. Oh là là, par contre là, le circle des Dark Templars et tous les Dark Templars qui tombent. Mais d'ailleurs, ça fume un peu au niveau des APM là. On a des pointes à 100 APM, ce qui est très évolué pour une ligue de bronze. Et alors, il commence à miner, à faire du long distance mining, comme on dit. Ouais. Mais là, il est vraiment dans une grosse impasse, merdouille, hein. Je crois. Ouais. Et là, bon, allez, veux tout dire. C'est le Red Squid. Voilà. Bon, et bien. D'ailleurs, tu continues à jouer, hein. Quand même, hein, là, je suis. Je veux voir et je veux. Attends, je sais même pas si je continue à Tu veux comprendre. J'explore, voilà. Ouais, voilà. C'est rigolo, voilà. Tu te fais plaisir, magnifique. Et en plus, tu balances un LOL alors qu'il est déjà parti. Bien joué, mon petit Nesbrook. C'était au cas où il me suivait encore d'un monde. Ouais, tu t'es dit qu'il se verrait cette vidéo sûrement et. En tout cas, une partie qui vous aura appris qu'il faut toujours se méfier de Nesbrook sur le ladder. Et de Kukino également, puisque. Puisque je suis de la même trempe. Eh oui. La trempe des nuls marrants. Vraiment une réputation à tenir. On y tient. Donc il faut savoir quand même qu'on a fait donc une revanche. Hein. Et je me suis mis Zerg, je crois, sur la revanche. Et je me suis fait avoir. Et en fait, on a fait. Je crois qu'on a fait deux victoires chacun au final. Un petit 2-2, d'accord. Voilà. Donc on va remercier Mew, hein, pour. Je le remercie encore pour cette formidable partie parce que. Franchement, j'ai bien rigolé quand on l'a vu.
Tu m'étonnes. Et donc au plaisir sur le ladder de vous voir. Eh bien, je l'espère aussi, mon petit Nesbrook. Et chacune. On vous dit à bientôt. À bientôt tout le monde. Salut, salut.